Re les amis, on est de retour à nouveau après ce petit crash de GTA 4. Je vais refaire une petite story pour prévenir tout le monde qu'on est en live. Tac. Les amis, on repart en live. C'était super. On était en train de faire le marathon là. On était en train de faire le marathon, mais forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu a crash deux fois. La première fois, on a pu relancer direct. Deuxième fois, c'était un gros crash comme hier soir. Mais là, on va repartir sur GTA 4 et on va essayer au maximum d'avancer d'ici ce soir minuit pour essayer d'avancer au maximum les aventures de Nico Bellic. C'est sur le live, juste ici. On vous attend. Hop, tac. Le lien Twitch. .tv/chrisclipel. Tac, venez. Pourquoi ça n'a pas marché, putain? Putain, mais ça fait chier quand même ce GTA 4 qui est optimisé avec le fion. Re-Redar, re-Outsider, re-Prodigy. Twitch.tv slash chrisclipel. Tac. Hop, venez, on va taguer Rockstar Mag. Hop. Putain, je pensais pas quand même qu'il serait repaco. Ça fait plaisir. Je pensais pas quand même que le jeu serait vraiment en PLS comme ça. Je pensais quand même que 15 ans après sa sortie. Putain, il faudrait que j'aille à nouveau chercher de la vie, quoi. Oh, relou. Du coup, on va éviter de refaire la même mission. On va éviter de faire. Ah, c'est vrai qu'il y a ce mec là. Par contre, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Mais oui. Mais je suis trop con. Je suis un abruti. Je fais ça alors que j'ai aucune vie. Pourquoi je fais ça en fait? On va se cacher ici. Voilà. Mais j'avoue, imagine, je meurs comme ça. Imagine. C'est n'importe quoi. On va retourner chercher un petit burger. Je vais faire gaffe parce que j'ai commandé à bouffer aussi. Et ça va arriver dans 10 minutes. Ok, nickel. Bah, imaginez, je serais mort comme ça, mais la défaite. La défaite. Ouais, si je dors, je reprends ma vie, c'est pas fou. Mais en fait, il y a aussi un petit défi, j'ai pas envie de sauvegarder. J'ai envie d'avoir zéro sauvegarde, zéro vie. On va éviter de piquer la voiture des flics. On va prendre le petit 4x4 là. Allez, le petit rancher, ça part. Du coup, on va attendre parce qu'il y a Elisabeth qui va nous appeler. Et donc, du coup, bah, on va faire la mission qui apparaît ici en fait. Oh, la caméra. On va attendre que Elisabeth nous appelle, comme ça, on va faire la mission qui apparaît ici. On va faire un petit tour en même temps. YOLO! Ah, si par contre je dis pas de bêtises, il y a un gilet pare-balles juste ici. Elizabeth seems to have a lot of friends. Attends, ta gueule, on t'a déjà entendu.
Y'a pas un gilet pare-balles par ici, les gars? Aidez-moi là dans le chat. Je peux désactiver cet effet de caméra, il me semble. Ouais, la caméra elle est un peu freestyle. Mais y'a pas un gilet pare-balles par ici, les gars? J'étais persuadé que si. J'étais persuadé que c'était juste là. Je dois confondre. Bah comment est ta route? Ça arrive dans 5 minutes. Putain, je crois que la mission d'Elisabeth ne va pas se lancer. Tant que je suis trop proche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre plus de temps. Et on va aller au sud. On va aller voir Paki. Pas Paki. Le frère de Paki. $340 000 les amis. Prends un taxi. Ouais, c'est vrai qu'on va faire un... Je prends un taxi. Mais pas pour aller à l'armurerie, tant pis. Putain, au piège du rangé 100, il n'y a pas de taxi. Attends, sans déconner, il n'y a pas de taxi là. Bon. Tant pis. Dès que je vois un taxi, je descends pour qu'il m'amène... Ah, Elisabeth. Nickel. Parfait. Allez go, faut aller récupérer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma bouffe. Je reviens dans 5 minutes. Je vais mettre un petit message sur le chat. Tac. Hop. Je vais chercher à manger. Je reviens dans 5 minutes. Tac. Tac. À dessus des amis. Je vais vous mettre une belle vue. Voilà, une belle vue.
Ouais les amis. Bon, c'est pas sponsorisé hein. Ah. Il fait super froid. Il fait super froid. Ah. C'était pas une mission avec du temps moi. Hein. Putain, j'ai couru, j'en peux plus. J'ai couru, j'en peux plus à cause de ma bronchite. Hein. Pas parce que je suis un gros sac de gamer qui ne sait pas courir. Non, c'est génial, je manquerai pas de serviettes, j'en ai pour tout le week-end. Par contre, je me suis fait voler. Alors, ça part en cacahuète totale. A tout de suite. J'avoue, le tactique, tu peux, mais c'est comme ton ballon où t'es en pourcentage, ils sont effacés. De quoi tes pourcentages sont effacés dans Balog et Tolu? J'ai pas souvenir non plus que si on utilise le taxi dans Balog et Tony, ça efface nos stats. J'ai vraiment pas souvenir de ça en fait. Je mange en express, les amis. Vraiment en express. Ouais, je mange vraiment, vraiment, vraiment en express. Et après, on repart. Sinon, ça va être super relou si, si je mange, m'arrête, je mange, m'arrête. J'espère que le jeu va pas recracher. J'aurais vraiment trop trop le seum si je ne peux pas le finir en fait. Ça voudrait dire que chez moi, faudrait que je le reprenne, que je recommence toute la première partie de l'histoire. Un peu relou. Putain, ça fait du bien de manger. J'ai pas mangé depuis hier soir. Ça fait trop du bien. Vous êtes pas bavard dans le chat là, je me sens seul. Hein. On est 26 là. Y a personne de truc à dire. Faites la causette. Faites des blabla, posez des questions. Je vous réponds pendant que je mange. Et après on repart. Il y a le petit Ilyes qui est venu tout à l'heure pour savoir si j'avais besoin de quelque chose, qui est sur le plateau. Il est trop chou. Et donc là, on en est à combien? 340 000. On est bien. On est bien, bien, bien. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. J'ai essayé de voir si je tombais pas sur Yannick Noah pour faire la photo quoi. Et malheureusement non. Ça aurait été banger. Le retour, t'as couru, ouais. Ah j'ai couru pour manquer le moins possible au live. Faut qu'on se dépêche parce que du coup à 16h je dois couper le stream pour aller me préparer avec le micro et tout. Parce qu'à 16h15 je suis sur la chaîne principale du Téléthon pour parler des différents métiers du jeu vidéo.
que ce soit le journalisme, que ce soit les métiers de développeur, etc. Ça va durer 25 minutes, une demi-heure. Et à 16h45, bah, je reviens. Et on continue GTA 4. Là, je vous le dis, avec les deux crashs, je pense que c'est un petit peu mort pour le finir. En fait, merci beaucoup, Outsider. En fait, comme je suis malade, et que bah, cette nuit, j'ai stream que jusqu'à 1h du matin, comme c'était pas prévu que je stream, et donc du coup hier j'ai attaqué à 20h au lieu d'attaquer à 18h. Comme cette nuit il y a eu l'alarme incendie qui a niqué la nuit, en fait j'ai perdu 5-6 heures, et je pense que les 5-6 heures que j'ai perdu, c'est ce qui va me manquer pour terminer le marathon. Mais on le finira sur la chaîne. Pas cette semaine, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas chez moi cette semaine. Je suis en déplacement à Paris toute la semaine. Mais on finira. Ça fait du bien de manger, parce que vraiment depuis hier soir, j'avais un peu la dalle là. Hop. Je mange vraiment rapide. Sinon, vraiment, si j'alterne entre manger et jeu, ça va être vraiment galère. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez faire un don dès maintenant au Téléthon Gaming. Pour cela, il suffit d'aller juste en dessous de ma chaîne. Et là, regardez, vous avez tout ça là. Là, vous faites un don du montant de votre choix. Vous vous en foutez vraiment. Ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Même un euro. Il n'y a pas de petits dons, les amis. À côté, vous avez acheté votre t-shirt. Ça, c'est pour repartir. Bah, pour repartir avec un petit souvenir. C'est toujours plutôt sympa, voilà. Si on a envie, voilà, de contribuer à la bonne cause et d'en garder un souvenir, bah voilà, ça vous permet de d'avoir votre souvenir. Et donc, voilà. Et c'est super important. C'est pour une très bonne cause. Je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, le Téléthon, c'est une organisation qui, tout au long de l'année, fait des recherches pour les maladies rares, les maladies qui ne sont pas communes et qui donc sont extrêmement compliquées à guérir, qui sont donc extrêmement compliquées et dures pour les patients, puisque du coup il y a très peu de moyens, enfin de connaissances sur ces maladies, etc. Donc c'est important. Hop. Bon, allez. J'ai bientôt fini de manger. Tac. Hop. Les trois derniers nuggets et c'est reparti. Du coup, bah, on va faire l'émission d'Elisabeth, puisque celle de Playboy X, ça a crashé deux fois. Ce serait la tristesse si on peut pas finir le jeu à cause de ça. Mais du coup, ça me conforte dans l'idée que pour épisode From Liberty City, on le fera sur Xbox.
comme ça. Hop. Et voilà. On a ravitaillé. On va repartir. On va repartir. Salut à toi Izumeru. Bah écoute, ça va super bien. On vient de manger tranquille. On vient de subir deux crashs de GTA 4 consécutivement. Ça fait un petit coup au moral. Mais là, on va repartir. Je vais juste voir un petit peu. Hop, partager sur les réseaux comme quoi ça repart. Hop. Tac. On va le faire sur la chaîne de Rockstar Mag, ça c'est fait. Hop. Ouais, donc deux crashs de GTA 4. Ça, j'avoue que ça pique un petit peu. Mais bon, ça va le faire. Hop. Du coup. Hop. Tac, tac, tac. On est reparti du coup. Maintenant, on abandonne les missions, Playboy X, puisque ce dernier nous a planté, enfin ces missions nous ont planté deux fois d'affilée. Tac, tac, je suis en train de regarder si les notifs c'est bon. Et donc là, du coup, on va partir pour faire les missions d'Elisabeth. Et donc là, on doit se rendre. On doit se rendre où? Oui, voilà, c'est le fameux deal de. Cette mission aussi, elle est un petit peu chaude. Donc, allez, c'est parti. Le rancher, il est pourri. Enfin, là, on va dire qu'il y a que des voitures pourries. Allez, elle là. Grave, tac. C'est la Futo, ça, non? Vamos, let's go. Ah non, la ruineur. La Iponte ruineur. Allez, c'est parti. On reprend. Et on espère qu'on n'aura plus de crash. Ah oui, ce fameux pont, il y a toujours le contrôle de police. Oula! Il y a un flic qui a... J'ai failli lui emporter les deux jambes. Allez là, le concessionnaire grossit. Mais là, on n'a pas le temps. On ira chercher plus tard la Turismo. Hop. GTA 4, il paraît excellent. Le prochain que je vais faire après Vice City. Ah oui, non mais GTA 4, incroyable. C'est pour moi l'un des meilleurs GTA d'ailleurs. Si tu ne l'as jamais fait, il faut le faire. Franchement, carrément. L'histoire, la ville, le gameplay, l'ambiance, tout est incroyable dans GTA 4. Meilleur GTA ever. La vérité, prends le taxi au pire, Chris. Non, on s'en fout, le taxi. De toute façon, très clairement, c'est quasiment sûr qu'on finira pas aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie non plus de. La conduite, ça fait partie aussi de la vibe GTA en fait. Donc
Rien qu'avec le trafic, en fait, les PNJ qui sont claqués, il peut y avoir des choses trop drôles dans le trafic. Donc je préfère le faire à fond. Et tant pis si... Tant pis si... Si on finit pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on le finira sur la chaîne. Si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Mais on finira. Salut Liven, bienvenue à toi. Donc là, va falloir faire gaffe parce que j'ai pas de gilet pare-balles. Il y en a un juste là, de gilet pare-balles du coup. Il y en a un juste là, mais là, toi, je l'ai pas. Parce que le défi, c'est de finir sans mourir. Donc on va y aller tranquille. Allez. Quoi, il est pas mort? Ah si. Wow. Où est ce bâtard? You will die, mama whale, you will die! Say your prayers, asshole! Où est ce bâtard? Enculé. Hey, come on, man! Go, my dad, please! Enjoy the last few seconds! Il est où? Il est où l'autre? Ah, il est là-bas. Hop là. Ça, c'est fait. Et le dernier. Et le dernier, c'est fait. Ben voilà. Il y avait un gilet pare-balles à récupérer. Et ben il est là. Parfait. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Meilleur jeu du monde. Ah là là, Liberty City, en vrai, je n'aurais pas dit non pour toi, Liberty City l'an prochain. On l'a trop eu, Liberty City. J'étais à 3, j'étais à 4, j'étais à Liberty City Story. Vice City, c'est bien de retour à Vice City. C'est trop de chercheurs qui bloquent, un petit coup de mitraillette dans les airs. Mais oui, on va faire comme ça. Ah putain, c'est vrai qu'il y a le news qui arrive là. Ah putain. Ah oui, c'est la merde ça. J'avais oublié ça. J'avais oublié ce détail.
Putain, en plus là je vois rien. L'éclairage il est pourri. Je vois vraiment rien là. C'est vraiment à l'aveugle. Là les gars, j'ai pas le temps de viser. C'est ça aussi qui est chiant avec GTA 4, c'est comme il est trop sombre. Quand vous jouez pas dans une pièce quand vous jouez pas dans une pièce sombre, vous voyez que dalle. Bon allez, là ça va être un peu... Ah putain, c'est vrai qu'il y a les patriotes du, de la, des flics et tout là. Allez. Non. Ils sont trop chauds les flics. Si vous voulez un petit tips pour semer les flics facilement, c'est ici. Et voilà, c'est fait. I lost the heat. Where are you? Cheers, Frank. I'm with some fuckers in Noir. Get your known, Nico. There's been some strange shit. Merde! J'ai pas eu le métro. Salut Fresh, c'est pour le Téléthon. C'est le Téléthon Gaming. Le Téléthon qui est une organisme qui, tout au long de l'année, fait des recherches sur les maladies rares. Et donc là, là on est pour le Téléthon, donc c'est le Téléthon Gaming. Donc c'est une très très bonne cause. Et pour cette occasion, c'était pas du tout prévu. Je devais juste faire de l'animation sur une chaîne qui participe au Téléthon Gaming. Et finalement, en fait, on m'a, comme il y a eu un désistement, on m'a offert un poste. Donc c'était pas du tout prévu, hein. Tout est improvisé. Et je me suis dit, j'ai linké mon compte Rockstar Social Club. Et je me suis dit, on va faire un petit marathon GTA 4. Pour la bonne cause. Donc voilà. On va y arriver, les gars. On va y arriver. Hop là. Jacob, what
What are you talking about? You know, I think you're smoking too much. You think we know how to eat that come from in a king? Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. Pourquoi j'ai pas voulu l'emmener, au Burger Shot. And now, I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me. Bah frère, je viens de t'expliquer c'est quoi le Téléthon. Tu regardes le stream en mute, ou quoi? I don't fucking believe this. Listen. I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really Mais y a pas de désolé, Michel. Comment ça tu nous trahis comme ça? Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Voilà. You mean to say you're going to let us out? Le poker face. Not now, Guan. Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The coke, please. Elle dit ça avec tellement de la coque, s'il te plaît. Tu comptes pas jouer à... Non, pas GTA 4 Online. Là, on est vraiment sur du solo. On est vraiment sur du solo pour ce week-end-là. On fera peut-être du online, du GTA 4 Online PS3 plus tard. Mais là, on est vraiment sur du solo. Bon, les amis. On va retourner voir Elisabeth, on va faire l'émission Elisabeth jusqu'au bout. Oh la Stallion, elle se contrôle tellement mal aussi. En fait, à part les voitures de sport dans GTA 4, il n'y a aucune voiture qui est potable. On pouvait s'en douter, tout était neuf chez elle, encore étiquette de l'eau. J'avoue tellement outsider. Nico, how are you finding things? Ah, il nous saoule, Roman. Tu nous saoules, Roman. Ton stream est un décalage d'au moins 3 minutes. À ce point? The police are all over me. I can feel them. Bienvenue Darkseid, merci pour le follow. So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing, man. Being tough in a man's world. Guess I wasn't so tough, huh? Jorge turned state. Everyone's a rat! Not me. Whatever. Open up, man. Who is it? It's the street, man. C'est la street. Hold on. All right, man. This is what Manny's all about, man. Manny. Now word up, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, OJ, you catching this? Rolling. This, Manny, for fuck's sake. The streets have spoken. Now leave my people. Ils sont tarés, ça me tue. Nico, what are you doing here? I am not in the mood for this. Ouais, je... Merci, mon Alex. T'es au top. Well, he said he was going to bust the dealer. Mais quand j'ai invité Michel à boire, elle buvait pas et elle n'était pas buvée seulement pour se tirer des informations. Ah ouais, je me rappelle pas de ça. J'avais dû le faire au tout début de GTA 4 quand je ne savais pas qu'on allait se faire trahir. Mais c'est vrai que la première fois où je me suis fait trahir par Michel, après je ne suis plus jamais sorti avec elle. Mais maintenant que tu me dis ça, ça me dit un truc effectivement. Bon, on va se débarrasser des corps. Manny c'est terminé. Et il me semble que c'était quand on a fini avec Gohan.
Putain, c'est pas là qu'il y a le coffre qui s'ouvre à un moment. Mais je sais pas en fait si c'est scripté ou si on se fait un accident. Mais je crois que si on fait un accident, il y a le coffre qui s'ouvre avec les corps de Manil, son caméraman. Et que du coup. Ben voilà, putain. Hop. Attends, on peut pas fermer le coffre ? Ah si. Putain, j'ai eu un coup de flip là. Quoi ? C'est pas moi qui ai payé ? Oh la feinte! Yo Momo, bah oui, ça continue GTA 4 jusqu'à ce soir minuit. On fait le comment ça s'appelle? On fait le merde, le téléthon jusqu'au bout. Ah, je suis en décalage. Je sais pas d'où ça vient ce décalage. Je sais pas d'où ça vient. On était autant en décalage hier soir? C'est chelou quand même. C'est chelou. Surtout que j'ai regardé les paramètres. Et j'ai désactivé. Ah putain. J'ai désactivé le. J'ai désactivé le tout ce qui est décalage, etc. Donc normalement on a zéro décalage. Donc je sais pas si ça vient de la connexion ou si ça vient de moi, mais normalement non. Du coup je suis désolé s'il y a autant de décalage. Comme je vous l'ai dit hein, c'était pas du tout prévu que je stream. J'ai tout setupé. Vraiment en 2-2, en 2-spi. Donc désolé si c'est pas parfait. En fait l'essentiel c'est d'être là pour le téléthon les amis. C'est vraiment le... Bien sûr. A liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. C'est tellement glauque. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. They're gonna help a lot of folks. C'est tellement glauque. Le mec qui repart avec des cadavres et une bagnole. Salut à toi, GM Dilano. Ça va super et toi? Est-ce que tu vas bien aussi? Est-ce que tu passes un bon week-end? The doctor has that stuff. Elisabeth, elle en. J'ai pas de décalage moi. Ah! Il y en a qui sont en décalage, il y en a qui sont pas en décalage. Bon du coup les gars, on va parier, on va assurer. J'ai pas envie d'avoir un nouveau crash. Donc on va aller directement voir le frère de Paki. En espérant que l'on puisse faire l'émission de Playboy X tout à l'heure. Et là on a un VIP dans la limousine. On va le torturer un petit peu. Ça me manque tellement dans GTA V de pas pouvoir kidnapper des gens. Il y a un décalage de 3-4 minutes. Putain mais c'est énorme. Il y avait autant de décalage hier? C'est énorme. Allez, barrez-vous.
Ah, Laurie. Bah, un peu qu'elle est la police. Putain. Normalement, au bout d'un moment, le mec, il va vraiment flipper, il va se jeter de la voiture. Ce qui donne des scènes des fois très très drôles. Ah, c'est un décalage avec le chat. Ouais. Et c'est relou en fait qu'il y ait un décalage avec le chat. Et je comprends pas du tout pourquoi. Surtout que j'ai regardé les paramètres. Merde. Salut à toi Dedei, bienvenue. Désolé, je suis en train de manger, il n'y a pas de soucis mon Reda, j'espère que t'as bien mangé. Moi j'ai le décalage mais je suis un peu de loin parce que je suis occupé mais je soutiens le live. Merci à toi Momo, t'es génial, il y a deux Momo sur le chat. Oui Formalab, tu aides les enfants malades, c'est ça? En fait c'est pas que les enfants malades, c'est en fait toutes les maladies rares dont on n'a pas l'habitude de faire face. Le Téléthon fait des recherches sur les maladies rares. Donc voilà, c'est un soutien pour tout le monde. Au matin il n'y avait pas de décalage. Ah ouais? Putain, comment ça se fait là qu'il y a un décalage, je suis dégoûté. C'était de la connexion. Là du coup en fait il y a de plus en plus de gens qui se connectent. Il y a beaucoup plus de gens de connectés que tout à l'heure. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Parce que moi là j'ai checké mes paramètres et ils sont tous bien. Donc faut que je surveille l'homme. Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now obviously I can't go, because then he gets a picture of me giving him money and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest. I don't really care one way or another. Well, I'm a good man, no doubt. Call me when you get to the spot. La fille de ce GTA est vraiment incroyable. Ouais. Même quand t'écrases les PNJ et tout, enfin moi je trouve ça trop bien. Allez, let's go. Rendez-vous au point panoramique. Ouais non, je suis sympa, je klaxonne pour prévenir. Il reste 14 minutes de flash don, les amis. Une limousine géniale pour les fêtes. Bah ouais, moi je... J'aime rouler dans le luxe. Limousine sacrée, la famille. Ouais, la famille Macreali. Tu trouves GTA 4 sur Steam comme le 5 ou pas? J'aimerais trop. Oui, il est sur Steam. Il est sur Steam, il est sur le Rockstar Launcher. Donc tu peux. Voilà, tu peux le faire. Tu peux le faire comme tu veux. Oh merde. Il y a des grosses caméras derrière moi là, je sais pas ce qui se passe. C'est trop cool, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à GTA 4, il y a plein de missions. Il y a plein de missions que je me souviens, il y a plein de missions que je me souviens pas. Du coup c'est trop cool de les refaire. Et ça me fait vraiment plaisir que ce soit le premier jeu que je stream mon let's play sur ma chaîne. Ouais là il y a beaucoup de conversions là, ça commence, tous les posts commencent à être hier on était 60, enfin là il y a 60 streamers qui participent,
Et du coup, bah ouais, forcément, ça prend pas mal de. Hop là. Et bienvenue de The Best Micro. Salut Chris, sur lequel GTA incroyable. On est d'accord. GTA 4, c'est le meilleur. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. You won't be far. OK. Ça y est, je me rappelle. Il faut qu'on arrive à. Qui c'est qui va décrocher? Hello? Who's there? A friend. I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah? You better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weasel News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry for McCreary's blood and shit. Yeah. Good thing Francis is paying, then. Call me when this exchange is going down. I don't like all the talking. Yeah. What is it? On va dans le rapé, les gars. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Bâtard. Trop bien ce GTA très mature, ouais, c'est l'un des GTA les plus matures, les plus sombres, l'un des meilleurs. Et voilà. C'est pas moi. Ah. Ça va faire un PayPal direct. Bah vas-y, fais un petit PayPal, mon petit Alex, fais-toi plaisir. Rapporte la clé USB à Francis. Ok. Alors après, attention sur le Rockstar Launcher, il est à 10 balles actuellement. Et sur Steam, il est à 20 balles. Mais si tu n'as pas le Rockstar Launcher, effectivement, sur Steam, ce sera la valeur sûre. Ah, ça déménage encore. Hop. On joue dans des conditions super compliquées au télédongé. Hop. Que de bons souvenirs sur GTA 4, on est d'accord. On est d'accord. C'est un GTA tellement sous-coté, mais qui avec les années commence à revenir un peu dans le cœur des fans et dans ceux qui n'ont pas eu la chance d'y jouer. Et c'est vrai que ça me plairait vraiment d'avoir un vrai remaster digne de ce nom. Malheureusement, je ne sais pas si cela arrivera. Hop là. Le multi aussi était cool, bah oui carrément. Les affrontements
à l'aéroport. C'était, c'était masterclass. Allez, let's go. On va continuer l'émission de Francis. Maintenant, en fait, j'ai trop peur d'aller faire l'émission de Playboy. Oui, il y avait l'ancien casino de Alderney, effectivement. L'aéroport et l'ancien casino de Alderney, c'est un peu les deux rendez-vous du multi de GTA 4. On se fera un petit live sur le multi de GTA 4. Une fois qu'on aura terminé GTA 4, épisode From Liberty City, on se fera un petit live sur le multijoueur, voir un peu ce que ça vaut 15 ans plus tard. Si t'as la version physique, mais en plus lecteur DVD, tu rends la clé du launcher, tu l'as en version digitale. Ah ouais, sur PC? Putain, je savais pas ça. Je vais aller repasser plus tard si je peux. Bon, live, pense à toi, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci à toi, Paco. Merci, c'est top. À tout à l'heure. Un patch next-gen sur GTA 4, ce serait incroyable. Ah ouais, mais là, c'est plus qu'un patch next-gen. Allez, on va commencer à voir Paki. Final interview. Have a nice day. Hey, Jimmy, how you doing? Come on, Jimmy, let's go to my office. Okay, that's it, sir. You're undercover. Hey, Chief. Hey, Mitch, looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. Les dialogues de GTA 4, c'est quand même masterclass. Un remake serait cool, ouais. Franchement, un vrai remake, un GTA 4 avec le moteur Rage actuel, ce serait incroyable. Mais ça a l'air, ça me semble compliqué. People don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. Bah en fait, on pouvait choisir. En fait, quand tu faisais le mode libre dans le multijoueur, tu peux choisir où tu voulais apparaître. Et donc du coup, ouais, on pouvait faire l'ancien casino, etc. Mais il y avait aussi des affrontements. Un affrontement juste là-bas, un affrontement à l'aéroport et tout. Donc c'est vrai que c'était trop cool. Si tu cherches des joueurs, je suis là. Bah ouais, carrément, je ferai une annonce sur Rockstar Mag. On fera peut-être ça début 2023, là. Ce sera sur PS3, par contre. Le multijoueur sur PS3, et on fera ça. Il y avait les prémices du DLC annulés, Cops and Crocs. On pouvait jouer en tant que flic, oui. Bah, c'était vraiment les prémices, hein. Oui. Il y avait des skins policiers, des skins zombies, des skins. Enfin, les skins policiers dans GTA 4, je sais pas souvenir. Il y avait un mode gendarme contre bandit. Mais je crois pas qu'on pouvait avoir notre personnage en flic. Ça me dit rien. Là, c'est la fameuse mission où il y a un petit clin d'œil à l'avocat Jack Thompson. Ouais, l'émission coop était trop bien. On est d'accord, Outsider, c'était excellent. On lève les bras.
Allez, let's go, faut aller au cybercafé. Sur Algonquin, il est au nord de la map. Juste à côté de chez Playboy X. Oups. On n'a rien vu. Je kiffe les cinématiques de ce jeu. Ouais, ouais, non, mais tout est masterclass dans GTA 4. Tout est masterclass. Clique sur le lien de la pub de l'avocat. Hop. Va sur la page des carrières. Tac. Et envoyer CV. Hop là. Hop là. On est juste à côté de chez Paki, ça me tente de... Attends, est-ce qu'il est loin Putain... Je suis dans un dilemme, est-ce que je tente à nouveau la mission de Playboy X? Mais si ça recrache, ça va me saouler. On va tenter, on est à côté. Hein. Putain, j'espère que ça va pas planter. On va essayer. Hein. Oh, il y a son patriote or. Allez, let's go. Non, pas toi. Allez, c'est l'heure de vérité. Faites que ça plante pas. Non, qu'est-ce que tu fais? Fais pas le fou, Nico. Fais pas le fou. Allez. Merde. Deux. Allez, plus qu'un. Il est où le troisième? Troisième, il est où? Merde, il est où le troisième? Vous le voyez, vous? Bah. Vous voyez le troisième? C'est moi qui suis Miro ou... Ah, c'est... il est là. Et attention,
Salut Mathieu, merci. Et c'est bon, ça a pas planté les amis. Putain, nickel. Allez, il faut trouver le syndicaliste. What? Mais il était pas affiché lui. Ok, les ennemis ne sont pas... Ok. Les ennemis ne sont pas mentionnés sur la carte. Ok. Oh! Non! Bon, on va s'éloigner. Il recharge. Mais c'est moi ou il... Je tire mais il perd pas de vie en fait. Ah bah voilà. What? Mais je me rappelais pas qu'il faisait ça, Nico. C'est quand même un génocide. Et ça a l'air de choquer personne. Hop, on est bon là. On est bon. Qu'est-ce que j'ai une question? Pourquoi personne en situation de handicap en déroulant, pas tout mélanger? Si, il y a des personnes en situation de handicap. Mais regarde, il y en a même une sur le plateau actuellement. Tu vois? Hop. Il y a tout le monde au Téléthon Gaming, forcément. Il y a tout le monde. Il y a des personnes qui font plein de trucs et tout. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a tout le monde. Et tout le monde est mélangé, justement. C'est ça qui est vraiment cool. T'as l'impression que les bâtiments sont gigantesques, comme IRL d'ailleurs. Penses-tu que GTA 6, on pourra créer deux personnages dans la deuxième version? Alors ça, je sais pas du tout.
C'est un petit peu trop tôt pour parler de ça. Putain, j'ai eu peur, je me suis déjà, j'ai sauté. Bon, nickel, on a réussi à passer cette mission qui nous a planté le jeu deux fois. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et on espère qu'on n'aura pas d'autres lags. Ils sont trop chauds à côté. Ils sont trop chauds à côté. Avocat. Eh bah let's go. Super. Your interview will be with Mr. Goldberg. Press the buzzer and we'll let you in. Have a nice day. Nickel. Demain, allez. Putain, j'avais oublié ça à chaque fois qu'on devait appeler, donc c'était long. Perfect. The smug bastard ain't gonna know what's coming at him. Teach him for sticking his nose in other people's business. C'est là qu'on va aller acheter le petit costume. Et qu'on va se mettre en mode Hitman. Putain, il y a les flics. J'allais voler le Patriot, mais il y a les flics. Du coup, on va voler le Patriot derrière. Du coup, c'est demain midi. Bah, on va aller. J'ai la flemme de retourner à Dukes. Donc on va continuer l'émission de Playboy X. Puis comme on l'a dit, au plus vite on fait l'émission de Playboy X, au plus vite on récupère son appart. On va pouvoir commencer l'émission de Dwayne également. Dwayne, c'est le bro quand même. C'est un putain de personnage. Les flics qui font les fous. Hop. Je suis un cascadeur. Une physique comme ça, le jour où t'arrives à faire un saut avec un Hummer comme ça, faut m'appeler les gars. Là aussi, on a l'un des meilleurs véhicules du jeu. Le Patriot doré. C'était mon véhicule préféré celui-là. Il est trop classe. Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah. Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. I give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G. Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfucker's been calling me a phony. Calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you'll need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay, what does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? And he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye. And he a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too.
So he's the average one? Look, he's brown skin, B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? But sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this. Head down there. Take a photo. Send it to me. I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Ça y est. On passe au gros téléphone là. On va pouvoir installer des fonds d'écran, des sonneries, etc. Combien de pourcents? 23%. Ah, ça devient compliqué, les amis. Je pense que ça va être très compliqué. L'étau se resserre, comme on dit. Allez, c'est parti. And that's why the penetrators ain't doing nothing this season. They got no one who can work the lanes, man. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. Hop là. Yo money, Marlon's the one in the black jacket, smoking. Sure. Qui Marlon? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous avez eu un peu ça? Il est pas là Louis pour me dire que quand il n'y a pas la visée tout machin. C'est comme ça que ça marche. Allez. Du coup, on va aller voir Dwayne. J'ai un doute, Dwayne il est à Bohan. Non, il est pas à Bohan. Ils sont à fond à côté. Hop. Et il y a Richard Gasquet qui arrive. Incroyable. Après Yannick Noah ce matin, Richard Gasquet. Oh, it's you. You alone? Yeah, how you doing? Fucking great. What you think? Yeah, it's hard living with the past, huh? Yeah, especially when the president's turned into an asshole. Fucking bitch. Nobody wants to roll with me no more. It's like I'm tainted. What do you mean? Playboy don't want to hang no more. He pays for you to come over instead. My girlfriend, the love of my fucking life. Man, I was pulling moves in the joint so this bitch could pay rent. Now she won't answer the phone. Man, I gave her everything when I was inside. Cars, houses, apartments, bank accounts, everything. I heard she hanging with Javon now. Who? Some punk who fucking talked. Swears he wasn't involved in me going down, but I knew. I knew his ass was lying. Now motherfuckers fucking my girl? For real? Shit's fucked up, man. Sometimes I just wanna end this shit. Just bam. Listen, why don't you go talk to her?
shit to say. Then I'll go speak to both of them. I'll ask for your money back, and if they don't agree, I'll make them. Where did they hang out? At some arcade in Chinatown. Look, man, don't bother. No, I'll bother. I'm getting paid. And besides, you remind me of me. C'est un bro, Nico. C'est un bro. Allez, let's go. Un remake de Red Dead Redemption, ben ouais, mais tout le monde a un remake de Red Dead Redemption. Tout le monde. Ne perdons pas espoir. Qui sait ? Let's go, on est parti pour rendre petit service à Dwayne. Faut que je regarde l'heure, dans une demi-heure les amis, il faut que j'aille sur le stream principal. Je vous ferai un host de la chaîne où j'irai montrer. On verra. Avec la petite brume et tout aussi, la petite brume de Liberty City, je trouve que c'est trop classe. Ah putain, oui, la fameuse. C'est une course-poursuite là aussi, si je dis pas de bêtises. Un peu qui va être en pétard. Comment il s'en bat les couilles de sa meuf. Voilà. C'est tout ce que tu mérites, on va pas se mentir. Allez, la petite moto verte, la NRG. Comme la ninja. Alors attention parce que sur GTA 4, la moto, c'est la mort assurée. Putain, mais je me rappelais plus qu'elles étaient inconduisibles ces motos. Ça va me saouler. Hop là. Hey Dwayne, I've got your money. Why don't you make me a clocking bell so I can give it to you? Great. Thanks, son. See you Oh là là, c'est inconduisible, c'est incroyable. Oh là là, mais on dirait que j'ai les pneus crevés. Allez, ça m'a saoulé.
Lou Dwayne. Bah, il Lou Dwayne. Ouais, c'est une moto de sport, mais c'est les conduites des motos, elles sont pourries dans GTA 4. C'est incroyable. Allez, let's go. On va se faire une dernière petite mission. Je pense qu'on va avoir le temps. Et après, je vous hosterai la chaîne. Je vous hosterai la chaîne principale du Téléthon sur laquelle je vais intervenir. Et vers 17h, on se retrouve pour la suite. Pour la suite de GTA 4. Mais là c'est 15h35, je pense que j'ai le temps de faire une dernière mission. Je vais vite aller chez Dwayne. Comme ça après on revient et on enchaîne sur les missions. Sur les missions, comment ça s'appelle, de Paki. Et on va au moins, je pense, terminer les missions Algol Queen. On n'aura peut-être pas le temps de finir. J'ai un petit Orelsan en fond, ça passe bien. Dans une semaine, Loïc. Hein. Dans une semaine, concert d'Orelsan. Salut, Torap, t'es chômeur. Salut, c'est rare, hein, GTA 4 sur Twitch. Et ouais. Impossible n'est pas le Téléthon Gaming où on fait un marathon GTA 4, ça fait plaisir je trouve. Bienvenue à toi. Tu connais aussi un jeu Croc The Legend sur... Mais oui, le jeu Croc sur PS1, le petit crocodile, qui était trop bien. Et merci du coup, Torap le chômeur qui a follow la chaîne, merci à toi. Ouais, c'est Michel qui nous appelle. Ouais, c'est la fête derrière, ils sont bien chauds. Là en plus on approche des 350 000 euros, donc tout le monde est bien chaud. Allez, on va se dépêcher de faire une dernière mission. Comme ça après, je vais vite me préparer. Hop là. Dans The Last of Us, les motos sont mieux. Ouais. Mais là j'avais quand même pas souvenir que la conduite était aussi pourrie. Franchement. Là c'est un peu... Sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean, I used to have everything. I used to run uptown, Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey, let's get it back. Nah. I can't, man. I ain't got the energy no more. Dwayne, il est pas en force. Il est pas en forme, les gars. C'est un homme détruit. Bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah. Fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Shit, man. I'm talking a real gentleman's place. Ah, c'est là qu'on l'emmène à... Forcément. Quand t'es en dépression, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au club de strip. For you, no problem. Man, you the real deal. I owe you. Big time. But we'll talk about that later. Allez, let's go. On va libérer la boîte de striptease et après, on rendra à l'antenne pendant une petite heure le temps d'aller parler des métiers du jeu vidéo sur la chaîne principale du Téléthon Gaming. Et on reviendra pour terminer. Allez, on va prendre un taxi, ça ira plus vite. Voilà, dégage. Allez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Here we
Merci bien. Allez, go. Jesus test drives all the new. What? Je me rappelais plus que. Je me rappelais plus que c'était autant la guerre. Putain, je me rappelais plus que c'était autant la guerre. Allez vite là. La petite poursuite en Bobcat. Ah oui, ils sont plusieurs. Ah mais barrez-vous là. Putain. Avec les PNJ qui flippent, c'est la merde. Putain, j'ai cru que ça avait encore planté. Bon ben les amis, let's go. On va appeler Dwayne d'abord. Bon. Je crois que c'est là qu'il faut arrêter. Les amis, on se retrouve d'ici quelques minutes sur la chaîne du Téléthon Gaming pour... Il veut pas sortir là ? Je veux pas... Nico, t'as pas envie de sortir là sans déconner ? Bon, c'est là qu'on voit que la physique de GTA 4 n'est pas non plus parfaite. Attends, là il veut vraiment pas sortir, tu vas me dire. C'est une blague.